struggle d'être une fille. Ouais, parce qu'on sait bien qu'il y a pas mal de struggles dans la vie d'être une fille. M'en avait nommé plein, puis j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Puis dans le fond, comme vous pouvez pas remarquer, je suis malade. Mon nez est bouché, j'ai mal à la gorge et mes oreilles aussi, donc ma voix n'est pas au meilleur. Mais bon, ok, j'ai marqué plein de struggles sur cette feuille. Il y en a beaucoup. Ok, le premier struggle, c'est faire le jour où on range ses jambes. Tu sais, ces affaires-là. Choisir le bon jour pour les raser. C'est vraiment toute une mission, genre. C'est des calculs mathématiques pour savoir quelle journée est la meilleure. Parce qu'il y a une journée que, oh, le lendemain, je pourrais vraiment mettre des shirts. Mais là, si je m'y rase cette journée-là, ben, il va falloir que je m'y rase dans 2 jours. Mais dans 2 jours, ça ne me tente pas. Fait que là, faut que je prévoie quand est-ce que je vois mon job, quand est-ce que je me mets en robe, quand est-ce que je vais aller me baigner. L'hiver, est-ce que je m'y rase ou non parce que je fais du sport. Notre vie, les filles, pour vrai. Numéro 2, pas mal que tout le monde m'envoyait et puis que je suis pas mal d'accord. Nos règles. Pour nous faire chier. Des règles. Bon, ça vient avec des mal de ventre, des mal de tête, pas mal tout, des sentiments proportionnés. Ça vient avec le fait du monde qui te pose « T'es-tu dans ta semaine? » Oui, je suis dans ma semaine, veux-tu arrêter de me gosser avec ça? Veux-tu que je te tue? Veux-tu que je te frappe? Ça, c'est moi quand je commence à porte des tampons, des serviettes, pis c'est comme l'affaire la plus désagréable au monde, genre. Comme, je peux-tu mourir? Pourquoi j'ai ça qui rentre à l'intérieur de moi? Pour aspirer du sang en plus, genre, yak! Ça m'écoeure. Le fait qu'il faut que tu te baignes, si tu veux te baigner quand même dans ta semaine, parce que l'été il fait chaud en ciboire, pis là t'es dans ta semaine, pis là t'es genre fuck. Depress dans ton lit, à manger de la crème glacée, pis à écouter des films d'amour, t'es genre, pourquoi j'ai pas de job? Pourquoi célibataire? T'as mal au ventre, tu te roules dans ton lit, pis là tu deviens mal, fait que là tu te fâches avec tes parents, tu te fâches avec ta meilleure amie, tu te fâches avec toutes tes amies. Excuse pour manger beaucoup plus de cochonneries, de desserts, de crème glacée, de ce que tu veux, t'as l'excuse pour tout manger. Tu vas savoir que t'as tes règles genre 1 ou 2 journées à l'avance, pis là tu prévois déjà le fil de ta vie, tu le vois défiler. Troisième struggle, t'as les tactiques des gars pour nous causer. Ça, ça fait pitié en salle. Le genre de ah, t'as bien des belles fesses. Ah, t'es chaude. Ah, vraiment, t'es chatte en toi. Donc, tu penses que t'es un animal puis que t'es une tasse de café, toi? Tu veux me dire que je suis belle, que je suis magnifique, etc. Mais là, le je suis chaude, t'as des belles fesses, t'as des beaux. On va s'en passer. Sinon, t'as les fameuses phrases de t'es seulement quand t'es tombé du ciel. Ou sinon, ouais, mettons, je te donne un nom fictif. Je m'appelle, mes amis m'appellent Will, mais tu peux aussi m'appeler au 514 puis donne ton numéro de téléphone. Je me l'ai fait, j'ai fait dire ça comme, c'est juste malaisant, t'es comme. Au numéro 4, les brassières. Ah, les fameuses brassières. Putain, sinon, quand ils s'en viennent trop bien, il y a un petit bout de métal, genre, dans le milieu, là, qui fait comme, poup, que de la brassière, puis qui s'en vient te défoncer le thorax, là, littéralement. Ou sinon, t'as genre, faut que t'es ajustes, c'est jamais la bonne grandeur. La bretelle à tombe, la bretelle à s'étache, ta brassière en classe, tu fais ça, fait POUP! Plusieurs brassières, mais t'en as tout le temps, genre 2-3 préférées que tu mettes tout le temps, là. 5. Les ongles. Nos ongles, le vernis, c'est pas mal important pour nous. Tu fais du vernis piragé pendant 1 heure parce que tu le mets, ça dépassait sur le côté. Tu t'es taché la main, t'as taché ton linge, t'as taché la table, tu faisais ça. Puis ça finit tout le temps par qu'il manque par ta mère, quelqu'un d'autre qui te le met parce que toi, ben, t'es droitière, puis la main gauche, c'est comme. Ce que le revitalisant. C'est comme le précieux revitalisant. Quand tu vas chez quelqu'un, puis y a pas de revitalisant, t'es comme, comment tu fais pour vivre? Sans tu meurs parce que. Si t'as pas de revitalisant, tu peux pas vraiment laver tes cheveux parce que si tu mets du shampoing, après ça t'es mouillé, puis après ça t'es une toute genre toute mêlée ensemble comme si t'étais comme une boule là. Les cheveux. Nos cheveux, c'est comme nos bébés. Je vous jure. Genre, c'est comme nos bébés précieux à nous. Genre, on les aime tellement, mais en même temps, on a le goût d'être triplés, puis ils disparaissent, puis tout le temps faire genre. J'ai tout le temps une fois.
trois fois par mois qu'on est genre, je vais raser mes cheveux, c'est décidé. Je suis plus capable, je vais les raser. Puis c'est tout le temps après qu'on se les aille brosser, puis ça n'a pas fait qu'est-ce qu'on voulait, qu'on les aille aplatis, puis ça n'a pas donné. C'est tout le temps après cette espèce de bataille avec nos cheveux qu'on fait, je vais les raser, je vous jure, je vais les raser. Je te compte de tes aplatis, ça sort dehors, 30 minutes après, coucou, j'ai les cheveux frisés. Elle est déjà. Ok, merci, merci beaucoup, cheveux, de m'avoir fait ça. Sinon, quand t'as les cheveux plats, puis t'essayes de les défriser, mais ça fait juste genre, non, moi je suis plat, je reste plat. Genre, tu essaies pas de défriser. Des maquillages. Quand tu t'es maquillée dans la journée, parce que tu t'as mis du mascara, whatever, t'en vas te coucher, t'as oublié de te démaquiller. T'as oublié, là, tu sais, tu fais clairement pas par exprès. Puis le lendemain, tu te réveilles, puis t'es genre, mon Dieu, j'ai évolué, je suis en une nouvelle espèce, je m'appelle un raton laveur. T'as des espèces de gros trous noirs, genre, en dessous des yeux. T'en as comme partout dans la face, voilà, genre. Tout ton mascara est pogné dans tes cils, puis t'es genre, je vais mourir, là, quelqu'un, aidez-moi. Ouais. Manger, c'est la vie. Je sais pas pour vous, mais moi, manger, c'est la vie. Genre, veux pas, on est des filles, on a le droit de manger, ok? On va manger comme qu'on veut, pis qu'est-ce qu'on veut, pis quand on veut, ok? C'est pas parce qu'on est pas des gars, pis qu'on peut pas manger comme si on était des œuvres, ok? Merci. Tu sais que les filles, on se trouve tout le temps grosses. Genre, toujours. Pis en plus, on fait ça, genre, pour qu'ils nous disent qu'on est mecs, genre, oh mon Dieu, je suis tellement grosse comme ça. Mais non, t'es pas grosse, t'inquiète. Ah, ok. On est vraiment sûr de se faire dire qu'on est pas grosse. Je sais pas pourquoi, genre, c'est dans le ADN. Les stéréotypes! Les filles, on est beaucoup jugées par les stéréotypes, mais beaucoup veut dire extrêmement, genre, toujours. Mettons, toi, oh mon Dieu, t'es tombé une tomboy, genre, va jouer avec les garçons, surtout primaire, là, c'est ça, là, t'sais, t'as tout le temps des filles tomboy un peu plus qui veulent faire du sport, qui veulent boucher, qui s'habillent pas en robe, qui s'en foutent, qui mettent des chandails de cas, qui veulent vraiment bouger, tu sais, qui veulent pas jouer à la petite princesse, là. Ouais, ça, on les appelle les tomboy, méchant gros stéréotype. C'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas faire de sport, pis tu peux pas bouger. C'est tellement calme, ça. Sinon, t'as les filles un peu plus que les gens, tu sais, les filles qui, comme, ont tout le temps des robes, qui se maquillent tout le temps, pis que, tu sais, sont tout le temps surnommées comme un peu les bitches, là. Tu sais, genre, ça part à part, c'est pas parce que t'aimes te maquiller pis t'aimes porter des robes que t'es une bitch pis t'es une girly pis que t'es une si t'es une ça. Si toi t'aimes ça te maquiller, pas juste pour genre te transformer mais juste parce que t'aimes le maquillage pis tout genre bravo girl, genre t'as pas besoin de te justifier pour ça, sérieusement je trouve ça con. Sinon ben si t'es une fille à l'école t'es censée être bolée, t'es pas censée genre faire genre les maths, c'est quoi ça? Physique. Ton les plus gros, genre t'es obligé d'être maigre, mais d'avoir des grosses fesses, des gros seins, d'avoir des longs cheveux, puis d'avoir quand même des assez bonnes cuisses, mais pas trop, tu sais, genre pas assez, pas trop grosses. Belle au naturel. On n'est pas dans construitabitch.com, là. On peut-tu être qu'est-ce qu'on veut, puis être comme on veut? Mon Dieu, on peut-tu être... On peut-tu avoir pas de fesses, pas se faire traiter de planche comme tu penses dans la rue, puis dans l'école? On peut-tu pas... avoir un petit peu de poids parce qu'on aime ça, avoir un dedans parce qu'on aime manger, mais pas se faire tresser de grosse puis traiter de base. Voyons donc aussi, je trouve ça tellement calme. Ou sinon, parce que t'es un peu plus maigre que les autres, parce que c'est dans ton ADN, dans ta famille, puis tout d'être plus maigre et grande, puis pas se faire traiter d'anorexique. Voyons, wow, c'est pas aux autres de te juger par rapport à ça. T'sais, aujourd'hui, il est tellement genre jugé sur le physique. Oui, les gars aussi sont touchés par nous. La société, faut qu'ils soient grands, musclés et tout, mais les filles, c'est tellement pire parce que les filles, nous, on se rend ça dans notre tête depuis qu'on est jeune. On voit ça à la télé, tu sais, que les mannequins, si t'es à la télé, t'es grande, t'es maigre, pis t'es belle, pis t'as des bonnes fesses. Ou t'es ci, pis t'es ça, pis c'est tellement pas ça, les filles, là, sérieusement, là. Si jamais vous trouvez un gars, pis qu'il vous dit ça, flushez-les, passez-les dans le mixeur, whatever, parce que s'ils vous aiment pas comme vous êtes. C'est juste un câble, genre, lui je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Je comprends pas, non, je vais vous confirmer, je comprends pas. Sinon, un autre second, c'est l'image qu'on doit projeter. D'avoir l'air toute parfaite, on est des parfaites, faut qu'on soit parfaite physiquement, faut qu'on soit parfaite intellectuellement. Il faut pas qu'on rote, il faut pas qu'on pète. Une fille qui ne rote pas, une fille qui ne pète pas, une fille qui ne
fait pas caca, une fille qui ne fait pas pipi n'est pas un être humain normal, n'est juste pas un être humain. Oui, une fille ça rote, oui, une fille ça pète, oui, une fille ça fait caca, oui, une fille ça fait ce que vous voulez, les gars, ça fait ça. Voyons donc. T'es chez moi, ça se peut que je rote, tu m'en fous. Si j'ai un gaz à évacuer de mon corps, je vais le faire. C'est pas parce que je suis une fille. Merci. Mais c'est tout, je veux vraiment dire que les filles, vous êtes belles au naturel, vous êtes belles en tant que telles que vous êtes. Vous avez tellement pas besoin de vous changer pour les autres, pour la société de nos jours. Si la société est pas capable de vivre avec nous, pas que la société, ok? Genre, soyez comme vous voulez, vivez comme vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, maquillez-vous comme vous voulez, rotez, pétez comme vous voulez, jouez à quel n'importe quel sport que vous voulez, étudiez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, vraiment. Merci!